Salut tout le monde, et vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de vous voir, Dingo, Donald. Mais J'étais oui. dans un univers assez bizarre, en plus vous étiez même pas là, quoi, pourquoi? Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie de Kingdom Hearts, où dans la dernière partie nous avons visité le monde de Winnie l'ourson, mais Milu n'a pas aimé. Donc je suis triste, hein. On est parti. voilà. Je crois qu'on a gagné un truc en parlant à... pas en parlant, mais en faisant des trucs avec Winnie l'ourson, là, où il était content avec son ballon. Non, tu veux pas me parler? Ah si. Oh, un orbe d'invocation, aidez ces petites choses, c'est bâti, abracadabra, Bambi. Genre, voilà. Oh, attends. Il y a une... D'ailleurs, j'ai vu une marque Trio en off, donc je suppose qu'on va y aller quand même avant de quitter la ville de Traverse pour le prochain monde. Qu'est-ce qu'on a obtenu, du coup? Et aussi, je voulais préciser un truc. Dans la dernière partie, j'ai fait « Oh, c'est dommage, on n'a pas gagné de nouvelles clés dans le dernier monde. » Alors qu'en fait, si... On en a gagné une, qui n'est autre que... La lampe magique. Où maintenant, on peut invoquer... Bambi et le génie. On peut invoquer le génie. Bambi. D'ailleurs, on a acheté... Bon, tant pis. On a acheté des équipements pour nos chers compagnons. Mettons, Dingo a un super gros bouclier de la mort et Donald a un bâton rouge. Je crois qu'elle était dans le coin là. Bah, elle était pas dans un petit. Plus bas, dans un petit truc. Elle est là. Ah bah oui. Et il y a eux qui ont. Et effectivement, on est dans une petite rue. Et énorme le bouclier de Dingo. Allez, faisons notre saut! Et hop, on a gagné, et rien du tout, une cabane, ah oui, bah oui, bien sûr, on a gagné une cabane. Une cabane qui se promenait. Au contraire, elle a l'air quand même plus petite, cette clé. Bah, tu veux pas essayer Bambi, là, sur les monstres? On va essayer Bambi. Faudrait qu'on essaye le génie aussi, mais Bambi, ça m'intrigue quand même, hein, parce Bambi, que... Bambi, allez, vas-y Bambi, je t'invoque, et me tue tous mes ennemis. Avec ta puissance et ton charme incroyable. Il est content, Bambi. D'ailleurs, on a d'autres magies. Regarde, aussi. Sora lui fait un câlin, il est content. On a d'autres magies aussi, genre rafale. C'est quoi, rafale? C'est du vent. Ça fait. Je peux les tuer du coup? Ah, mais non, regarde, t'as vu, t'as fait le bouclier de vent autour de toi. Ça, normalement, c'est censé diviser la vie des monstres par deux. Bah attends, t'avais fait un truc là! En gros, Bambi, il spam de la magie partout! Il est à bleu là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah, du coup, j'ai pas réussi à faire le chargement que t'as fait avec Simba. Parce que t'avais fait un super chargement de la mort là. Oui. Je sais plus Simba, bon, je veux pas vous tuer parce que vous servez à rien. Hein. C'était juste pour essayer la nouvelle clé et Sora, t'as le droit de passer la porte. Mais dans cette partie. Ah mince! Oh non! Je pensais que mon casque était en bas, mais oui, il est très bas en fait. Je pensais qu'il était en haut, mais en fait, mon casque est très bas. Allez, tiens, je te laisse la manette maintenant. Oh, merci, c'est gentil. Alors. Attends, tu as le choix entre deux mondes, regarde. Le point d'interrogation là-bas ou le point d'interrogation là-haut. Dans tous les cas, on a dit qu'on faisait dans l'ordre des étoiles, donc je pense que je vais faire lui. Dans tous les cas, tu dois te téléporter à Agrabah. Oui, de toute façon. J'ai encore failli appuyer sur rond parce que j'ai envie de valider avec rond et pas avec croix. Je sais pas pourquoi. Regarde, on a un nouveau vaisseau, il est trop beau. Wouhou ! Vaisseau gummy de la mort. Purée. T'as un problème avec le gummy qu'on a fait? Ah non, mais pas du tout. Il est magnifique notre gummy. Absolument. C'est le plus beau gummy que t'as jamais vu de ta vie. Mais du coup, avec ce nouveau gummy, on peut faire de nouveaux trucs. C'est-à-dire tirer. Ah, ouais. Vous avez jamais vu un gumi aussi beau. Hein. On peut faire des tirs là. Là, je tire. Et je vais plus vite aussi. Ah, et puis je peux faire des trucs comme ça là. Oui. En appuyant sur triangle, ouais, tu peux faire des attaques. Par contre, je pense que tu dois pas prendre le super vortex de la mort. Non, mais t'inquiète pas, je compte pas le prendre. Parce que j'ai vu qu'il y avait un vortex orange, mais il ramenait vers le début. Et j'ai pas envie de retourner au début, moi. Et du coup maintenant l'espèce de bar power en fait c'est ce qui nous permet de lancer des lasers en fait. Genre vous me gênez tous, mourir. Hop, tu vois, t'as utilisé une barre. Mais qu'est-ce que c'est que mais ça? Qu'est-ce que mais c'est pas c'est une baleine. C'est pas la baleine comment elle s'appelle déjà? Moby Dick. Pas Moby Dick, elle a un nom. Moody Pick. Non. Non, mais monstre la baleine. Ouais, voilà, c'est j'allais pas dire. Mais si. Ou alors c'est une baleine lambda qui se balade, mais c'est rare.
Une baleine dans l'espace? Oui, une baleine géante. C'est monstro. Bah si, c'est monstro. C'est monstro. C'est le roi des baleines, il est très agressif. Pourquoi? C'est le roi des baleines. Quack! Sora, esquive-le! Non, tue-le. Tu vas voir, c'est peut-être un boss. Mais techniquement, si on suit l'histoire de Pinocchio, Gepetto il est dedans. Trop tard, il va nous avaler. Voilà, on va chercher Gepetto alors. Et oui, Pinocchio. Bah non, mais non, Pinocchio. Non, Pinocchio, techniquement, il est pas censé être là. Sauf s'il est dans le vaisseau avec nous. Mais non, mais Pinocchio, je veux savoir où il est, moi, du coup. Oui, puisqu'il est plus dans le vaisseau. Parce que dans la ville de traverse, il n'y est plus. C'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est sûr que tu l'as pas seulement entendu. C'est Riku? Parce que ça change. Et c'est Sora quand il est petit? Non. Mais si, je montre quelque chose d'accord. Tu vois là, en fait, Sora il est mort et il se revoit des passages de sa vie. Oh mince. Je pense que pour le vaincre seul. Non mais si, c'est Sora. Pas de problème, à l'attaque. Écoute là, tu entends son grognement. Chut, tais-toi. Il vaut mieux être prudent. C'est ainsi qu'ils mourirent face à sa mort. Tu vois, c'était que le vent qui soufflait. Dommage, j'aurais bien voulu que ce soit un monstre. Attends, c'est quoi là-bas? Waouh, on dirait une porte. Elle ne s'ouvre pas. Il n'y a pas de poignée. Je pensais que ce serait plus intéressant. D'ailleurs, on nous a dit que ces cinématiques-là, tu vois, elles ont pas de voix ni rien, ni de musique en fait. Apparemment, c'est des cinématiques qui sont rajoutées à Final Mix en fait. D'accord. Hey, Sora. Ouais. Quand on sera grand, on quittera cette île, d'accord? Ah bah donc ça fait vraiment longtemps en fait, qu'il veut partir. Écoute. Genre 10 ans, c'est ça? On vivra une vraie aventure, pas un truc de gamin. Enfin, je sais pas, je crois qu'ils ont 14 ou 15 ans, un truc comme ça, non? D'accord, mais y a rien. Tu connais la fille dans la maison du maire? T'es pas au courant? Ah, quoi? Ils ont 14 ou 15 ans, un truc comme ça. Je sais plus, il me semblait qu'ils étaient plus jeunes. Justement, 14-15 ans, ça aurait été plus l'âge dans Kingdom Hearts 2. Bon, j'en sais rien, moi. Et il est où le Gumi? Ah, c'est enough! Hey, Sora, est-ce que ça va? Vous faites quoi, les gars? Où est-ce qu'on est d'abord? Dans Gabou Gabou. Waouh! On a gagné un coffre. C'est ces grosses baleines de monstros viennent nous avaler. Pourquoi il y a un trésor qui tombe de nulle part? Elle l'a avalé aussi. Bah, dans ce cas-là, ouvrez la porte. Bulletin vidéo, on signale des adverses. Des averses. Et des violentes averses. Mais c'est vraiment Pinocchio? It's me! Oh, ce n'est que Pinocchio, il est désirable. Non, 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 tu devrais être étonné. Oui, voilà. Oh, il a l'air horrifié, Sora. Pinocchio, vois-tu? Il vole des morceaux de gumi. En avant, les amis, rattrape-le. Vite, monstro. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est le gérant de l'auberge. Non, c'est pas une auberge, de la joaillerie qui t'a jeté ici. Ouais. Je pense que je vais nager là-dedans. Après, je me souviens pas de Pinocchio comme Disney, mais je crois que j'aimais pas beaucoup du Pinocchio par contre. Moi non plus, j'aimais pas Pinocchio, mais je m'en souviens. Qu'est-ce que tu tiens là, Pinocchio? Il devrait être content, mais Pinocchio. Grâce à ça, nous pourrons sortir d'ici, père. Vraiment, grâce à ce gros bloc, tu en es sûr? Il a raison de penser ça. Mais comment as-tu tiré ici, Pinocchio? Oh, bigre! La baleine vous a donc avalé aussi. Miséricorde. Ouais, on dirait. Je me nomme Geppetto. Je suis le père de Pinocchio. Quand nous avons été séparés, je l'ai cherché absolument partout. Heureusement, nous sommes à nouveau réunis. Mais dans quelles conditions? What? Vous semblez bien connaître Pinocchio. J'espère qu'il a été un gentil garçon durant mon absence. C'est pas la vie de Dingo. Oh, quelle aventure extraordinaire. N'est-ce pas, Pinocchio?
Et voilà. Et puis, j'aime bien, il y a une porte en haut aussi, on sait jamais. Je sais pas comment est faite cette baleine, mais... Mais tu vas pas me dire qu'il y a une clé dans cette baleine, par contre. Mais ça me paraît bizarre. Je lui avais dit de ne pas s'éloigner d'ici, j'ai une boîte violette, je sais pas pourquoi. Mais il est beaucoup contre moi. Il compte beaucoup. Ah ok, il est beaucoup contre moi. Je sais pas ce que tu as comme problème de lecture, mais lui en ce moment, mais c'est bizarre. Mais hein. Je suis un vieillard, je suis Geppetto, quoi. Bon, en gros, je suppose que j'ai pas le choix et hop, on y va. T'as vu, il y a des os dans cette baleine. Mais seulement quelques-uns. Ventre numéro 1. C'est une vache monstro en fait. En purée. Wow, alors déjà, j'ai vu, c'était bizarre, mais je crois ouais, que... Ouais, peut-être qu'il y a des vaches dans, dans cet estomac. Hein. Ouais, on verra bien. Faudra que tu tapes avec un lance-pierre dedans, ça ouvrira les portes. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, rentrons. Tu sais, j'ai plutôt ce que tu dis pour toi. Pinocchio, arrête de faire l'idiot. On n'a pas le temps de s'amuser. There's no time to waste. Non mais vous croyez qu'il va vous suivre? Escora, ces enfantillages ne t'intéressent plus maintenant que tu as Keyblade. Riku, qu'est-ce que tu fais ici? Ah non, je joue avec Pinocchio. Dis pas n'importe quoi. Impossible, attrape-nous et peut-être que je te le dirai. Oh non, oh non. Oui, j'ai une PS4. Non, hey, mais il a kidnappé Pinocchio. Non, il joue avec. Oui, bah tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais c'est mort. C'est des re-dead. Non, je rigole. Yeah. J'arrive pas à voir ce que c'est, hein. Je l'ai tué trop vite. Ventre numéro 3. Il n'y a pas écrit numéro, mais c'est pas grave. Bon, bah, je vais tracer, hein. Oh, un coffre. Bah, non, en fait, je vais pas tracer finalement. Allez, on va s'amuser avec ça. Ah, je touche personne. En même temps, ces monstres-là, ils sont nuls. C'est des monstres d'Alice au pays des merveilles. Même les petits fantômes. Attraction. Tu peux faire attraction sur des monstres. Attraction. Donald. Oui, il a appris attraction, Donald. Non? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des fourmis, bah oui. Bon, en même temps, tu vas me dire, monstre, il mange n'importe quoi, donc en théorie, il monstre aussi des. Ouais, monstre au monstre. Non, moi je sais pas parler, mais voilà. Ouais, en fait, monstre, c'est un schtroumpf, donc monstre, il monstre des monstres. Il monstre des monstres. Et il monstre aussi des fourmis, tu vois. Moi je suis triste parce que je peux pas faire ça. Mais attends, du coup, on va. Je veux faire ça. Mais du coup, moi je peux pas. Mais du coup, on pourra pas revenir dans Monstro aussi. À moins que Monstro il va apparaître comme les autres mondes là où je suis. En fait, peut-être que c'est vraiment la destination. Enfin, je sais pas si c'est la destination ou si c'est parce qu'il m'a attaqué pendant que j'étais en chemin. En fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais si c'est pas. J'espère qu'il y a pas des trucs à rater ici du coup. Bah je sais pas, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait des choses à rater, mais on nous avait pas... Sans nous spoiler, je pense pas que Monstro faisait partie des choses à rater. Non, non, je parle d'objets éventuellement qu'on pourrait rater ici, en fait. Ah oui, d'accord. Genre, on trouvera pas de marque trio ici. Marque, on peut De toute façon, si on trouve une marque trio, je pense pas que je vais faire équipe avec Pinocchio. Oh, mais non, avec Riku, tu vas faire équipe. Ah, bien sûr. Hey, il a une PS4 maintenant! C'était pas une fausse? Mais si! C'est pour ça qu'il avait fait. Attends, je viens d'ici! Mais je sais pas. Bah non, ça y ressemble pas. Enfin, je crois pas. Non, c'est pas le même endroit. Tu es je ne sais où. Sûrement dans l'estomac numéro 9. Non. Je veux dire, j'ai pris une porte. Non, t'es tombé. Ah, ok. Je crois. Mais ils meurent super vite les monstres, je suis assez choqué. Mais c'est normal! C'est des monstres de Alice au pays des merveilles. Ouais. À part les gros. Ça veut dire quoi? À partir du moment où on a débloqué Pinocchio, Monstro peut nous attaquer n'importe quand? Je veux dire, si on n'avait pas parlé à Pinocchio, bah, il n'y aurait pas. Peut-être pas eu Monstro. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, tu me gênes, je voudrais passer en fait. Mais non, il y a un coffre. Tu peux monter? Ouais, je sais, mais. Ce coffre. Pas le bouger. Non, je sais pas, je voulais pas dire un coffre, j'ai dit que tu pouvais monter, je pense. Ah, ben non, tu peux pas, ok, pardon. C'est pas pour un chat. Attends, t'es où là du coup? Bah, je suis revenu dans ventre 3, je crois que j'y étais déjà allé. Mais... Ventre 2, non, mais ah, et en fait, c'est un labyrinthe ici, c'est ça? Je comprends pas spécialement ce que je fais, mais. Ah, ventre 5, ah oui, voilà, hop. C'est même plus une vache là, les vaches ont que 4 ventres.
Ah non, mais c'est des ventres en plus, c'est pas des estomacs. Je ne sais pas, je suis pas experte en crétacé, donc je sais pas trop. Crétacé. En crétacé. Oui. Eh, il y a des dinosaures en crétacé, c'est bien. Ah, hein. Monstro, c'est un dinosaure. Non, mais je suis trop dans les dinosaures en ce moment, c'est pour ça que je dis des. Mais tu sais ce qu'ils font les vélociraptors avec leurs griffes. Poignard de leur croix. Oh, il y a plein de coffres là, c'est bien ça. Oui, donc je disais, je suis pas experte en mammifères. Pas en crétacé. En mammifères cétacé, voilà. Cétacé, je voulais dire. Cétacé, dit la baleine. Cétacé, pas crétacé. Oh, bon sang. Oui, donc je suis pas experte en baleines. Ah, tu peux les prendre, ça, je pense. Je sais pas si les baleines, elles vont... Bah non. Plutôt les... C'est vrai que je peux parer, maintenant. Bonjour. Ça bouge pas. Mais vous étiez pas là, tout à l'heure. Ils ont repop, en fait. Alors, pan. Mais bon, bah, il m'a empêché de faire Thunder, alors du coup... Pas de Fatal Foot pour toi. Mais t'inquiète pas, je ne suis pas non plus expert en cétacés non plus, donc je ne sais pas si les baleines ont des multiples estomacs. Mais en théorie, vu que c'est censé être des mangeurs de plancton, en théorie... Même en tant que mammifère. Bah non, puisque les non, vaches, non, c'est des mammifères. Les vaches, c'est des mammifères, mais c'est des herbivores. Mais... Oui, oui. Mais est-ce que les baleines sont considérées comme des herbivores? Je crois pas, non. Pas beaucoup d'herbe dans la mer. Voilà, donc c'est ça. Après, du plancton, tu vas pas me dire que c'est très gros. Ah, là, on passe à Graba. Ah non, ouais, ils donnent plus d'expérience, ils en donnent 3, alors que les autres, ils en donnaient que. Ils en donnaient 6, je crois, en fait, je sais plus. Tu sautes super haut, toi. Eh, mais en plus, il fait du feu. Oh, attends, ah. Rock d'audace. Quelle audace. Ce Sora. Ah mais oui, c'est vrai qu'on a Glacier Plus, du coup foudre là pour le moment il sert à rien. Surtout sur lui en fait. Tu peux mourir. Merci. Bien joué, tu as tué le machin. Et où le coffre? Où il y avait... Oh. Ah bah... Ah mince. Ah bah s'il y a des dalmatiens ici alors faut vraiment que je trouve les trucs. Ah ça fait peur ça du coup. Mais je pense qu'on peut revenir du coup. Ouais, bah non, on nous avait pas dit, il me semble qu'on nous a pas dit. Non, les dalmatiens sont pas ratables, on nous a dit. Donc en théorie, on peut y retourner, je sais pas pourquoi, mais en théorie, dans Ocarina of Time, on peut très bien retourner dans Jabu quand t'as envie. Et... Même si bon, je comprendrais pas pourquoi Sora voudrait retourner dans une baleine, mais. Et pourquoi Link aurait envie de retourner dans une baleine aussi? Même si c'est pas une baleine. C'est un dieu. Je voulais pas faire une ça. Divinité. Je voulais viser, mais à chaque fois, je. Aïe! Attends, il est mort mais il m'a quand même attaqué. Ah non, il y en a d'autres. C'est le bazar dans ce moment, hein. Moi j'aime pas ça. Mine de rien, Riku il a été super rapide hein, parce que au final. Ouf! Oui, je sais pas où il va. Mais non, les monstres sont avec lui puisque techniquement. Parce qu'il est maléfique. Il est méchant. Il est maléfique, maléfique. Je prends quel ventre du coup? Ah, il prend celui-là là. Celui-là là, il est bien lui. En fait, c'est de la douche, hein. Je sais pas. Bah, avant mais... 5, j'y étais, oui. Non, mais tu fais des allers-retours en fait, tu te promènes. Ouais. C'était pas de là où tu es. Là, ça, je m'en souviens, j'étais allé là. Oui, donc je suis en train de retomber et de faire le tour. C'est moi ou Donald, il faisait des bruits très bizarres. Bon, du coup, je suis triste parce que je pensais pouvoir sauter jusqu'à là-bas, mais ça me paraissait un peu audacieux comme idée. Bah, je sais pas, c'est peut-être parce que t'as sauté avant le dernier moment. Non, trop tôt. Attends. Mais là, je fais le tour. Oui, non, mais c'est assez perturbant encore. Ça me dérange pas, je veux bien le coffre, mais. Attends, mais. Non, ah, je vais mourir. Ah non, mais. Attends. Je suis tombé du coup. Attends, du coup, au final, t'étais revenu ici en fait. En fait, je fais le tour là, mais. Il y a un autre chemin, je l'ai vu, c'est juste que j'essaye de revenir. Pour avoir le coffre, même si je sais pas si je me prends de la bonne manière, mais bon. Bah je sais pas, ça avait l'air entre guillemets possible. Après bon, est-ce que ça l'est vraiment, je ne sais pas. Parce que là, tu vois, il y a un chemin. Ah non, en fait, mais non, là, si tu vas sur la plateforme là-bas, tu pourras ensuite aller chercher un autre coffre. Attends, tac, tac, ouais, c'est bon. Hop, saute, oui. Ah, c'était bizarre.
Non mais il y a plein de coffres comme ça, ils sont super durs à atteindre, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est obligé qu'il y ait double saut, s'il vous plaît. Mais s'il y avait double saut, ça serait au contraire, ça serait tellement abusé d'y aller facilement, du coup. Écoute, dans 358/2, tu peux voler, alors bon... Voler carrément. T'étais là, tu fais... Hop, c'est bon. C'est quoi, un pipiou, le... Ah, tu planes, tu voles pas, hein, mais ok, tranquille. C'est Spyro the Dragon. Non, mais c'est ça. Alors bon, c'est pour ça. Moi, je m'attends à tout, maintenant. Mais je suis pas sûr. Si bah non, possible. C'est pas possible. Bon, c'est le dernier essai. Ou alors non, vaut mieux pas que j'essaye. Bah, je peux y aller dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc finalement, c'est possible d'aller sur la plateforme là-bas. Dans un autre sens, dans le, de gauche à droite, pas de droite à gauche, c'est ça. Par contre, ces fantômes avec des têtes de citrouille, j'aime pas ça, moi. Mais même, je veux dire, voilà. Pinocchio et tout ça. À moins que Donald et machin, ils m'auraient empêché d'aller ailleurs si j'avais pas parlé à Pinocchio, mais ça me paraît étrange. Ils t'auraient dit, ah non, il faut retourner à la ville de Traverse. Il faut aller à la joaillerie. Il faut aller à la joaillerie parler avec quelqu'un. Bah du coup, je suis revenu là. C'est là où tu m'avais dit d'aller là-bas. Ouais, je t'avais dit d'aller prendre cette porte. Ok. On va faire le tour. Donc allons là. Encore le ventre 5. Mais il a plusieurs ventres 5. Ok. Oh, oh, une salle de coffre. Ah mince, il y a une petite fourmi. Une petite fourmi. Oh bah dis donc, vous en mettez du temps. Mais elle donne 4 points d'expérience maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'on peut utiliser les tonneaux pour taper autre chose. Bon, ça suffit les fourmis, moi. C'est bon ? Je le coffre. Mais encore ? Surtout qu'elle pop une par une. Oh tiens, il y a une marque trio en plus. Pan. C'est bon maintenant ? Encore ? Bah non. Ah bah au bon moins cette fois-ci ils se sont dit allez c'est bon on en a marre là, on y va un par un mais on meurt tous, on enchaîne, allez maintenant on y va tous ensemble. Allez une fourmi en moins, enfin, j'espère que j'ai tué tous les requiem là. Mais il avait l'air d'en avoir qu'un. Oui. Allez prenez ça. Vous servez à rien les amis là, je voudrais pas dire. Il y en a encore un. Ah oui, hein. Ah oui, ça pop encore. Dingo, tu peux tuer le requiem, hein, c'est pas interdit. Requiem for a dream. Bon, j'aimerais pas utiliser Aquilon, moi. C'est fini bon. Oui. Allez. Allez, ouais, on va donner mal au ventre au machin. Ça pour... Allez, allez, une tente. Un pavillon. Bon, j'étais pas loin. Purée, waouh. Au moins, je gagne des sous. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ces coffres ? Des dalmatiens ? Non, oh, c'est bien ça. Ça y est, tu vois, j'ai changé d'avis. Maintenant qu'on a découvert, entre guillemets, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le gummy. Mais du coup, ici, j'y viens et je dois repartir. Ouais. Du coup, l'endroit tout à l'heure où t'as dit tu m'as mené au mauvais endroit, c'était le bon endroit en fait, tu vois. J'étais peut-être tombé, stupidement. Au moins que je puisse aller plus haut que j'avais pas vu. Genre là, il y a quoi? Ah, une marque trio blanche. Bah non. Mais je peux pas les ouvrir les blanches. Ah non, c'est les blanches, tu peux pas. Je crois pas. Hein. Attends, non, c'est les vertes qu'on a appris, c'est les vertes. Ok. Bah donc on peut y retourner ici. Ah oui. Ok, bon. C'est pas grave si tu rates des trucs. Ouais, on s'en va. On va travailler au cul. Il est où? Ah. Un coffre. Ça me fait peur, non, tu devrais pas... Vous me faites mal. Oh, puis lui, là, il me gêne. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que t'as contre les gens, là? Tu veux les tuer? Là, non, non. Oui, il t'a soigné. Moi, du coup, j'ai des réflexes stupides. Téléporte... Non! Je veux pas tomber. Vous voulez pas l'achever Mais il est passé où Donald? Il a disparu. Dingo, du coup tu montes des niveaux. Je crois que Donald il est en train de se faire tuer.
Et lui là, il. Mais il est en train de chasser. Il est en train de chasser Donald. Mais Donald. Il veut... Ah, il est là. Bon, on va faire le tour de magie là. Attention, voilà. Et du coup, c'est Dingo qui est mort. Ah, il est mort, il est venu. Je veux pas aller dans le ventre. Hein. Je sais pas si vous allez repop. C'est bon. Non. Allez. Mais non. Oh, allez, oui, allez. Dingo. Vas-y, Dingo. Oui, terrible vas-y, combat. Dingo. Oui. Oh, oui, oui, un jouet, Dingo. Mais c'est toujours pas fini. Mais c'est terrible. Et il y en a un. Non. Je peux pas tomber tant que j'ai pas ouvert ce coffre. Bon, ce serait bien que je vise. Mais il a disparu. Vous êtes super pénible. Il a même plus de vie. Oui, de la vie. Il reste encore le petit là, le petit sorcier. Ça, ça meurt vite. C'est bon ? Oui, c'est bon. Enfin. Bloc aspire. Hatter. Bon, alors du coup, là c'est là où j'arrêtais pas de faire mes allers-retours et de redescendre. Donc en fin de compte, je vais pas tomber. Je vais voir mais si. Mais non, mais tu peux plus. Mais non, je peux plus remonter. Je crois. Je peux tomber. Non, non, tu peux plus. Bon, bah t'es obligé de refaire le tour. Youpi ! Je sais pas du tout quand est-ce que cette partie s'arrête en plus parce que. Bah, je pense qu'on devrait pas tarder à s'arrêter. Je vais m'arrêter là en fait parce que vu que j'arrête pas de tourner en rond, je vais réfléchir à une stratégie, d'accord ? D'accord. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour la prochaine partie.